C'est une finale que le Sénégal va disputer demain avec l'Équateur pour ce troisième match de groupe de la Coupe du Monde. Et vu la configuration actuelle du classement, seule une victoire est envisageable pour les champions d'Afrique. Aliou Cissé n'a pas manqué de le souligner en conférence de presse. Seule la victoire est belle pour demain. Et nous nous sommes préparés pour ça. On a eu dans le passé à jouer ces genres de matchs et j'espère qu'on aura la même énergie et l'agressivité que sur ces finales-là que vous êtes en train de dire. En venant ici, on le savait. Si on veut aller au bout de cette compétition et surtout de cette poule-là, il faut se préparer à jouer ces genres de matchs-là, a déclaré Aliou Cissé en conférence de presse. Toutefois, le coach des Lions préfère prêter plus d'importance sur le jeu que sur l'enjeu de la rencontre. Ce sont les matchs à enjeu. Souvent dans ces matchs décisifs, importants, l'enjeu l'emporte sur le jeu. La meilleure façon de préparer ce match-là, c'est de penser au jeu. Préparer cette victoire de la première minute à la fin. Nous savons qu'on a tout le potentiel offensif pour marquer n'importe comment et n'importe quand, a affirmé le coach des Lions en cette veille de match décisif face à l'Équateur. Après la France, le Brésil devient la deuxième nation dans cette Coupe du Monde à accéder aux huitièmes de finale après à l'issue de son deuxième match. En effet, victorieuse de la Serbie, 2-0, lors de sa première sortie, la Sélection s'est imposée face au défi suisse ce lundi 28 novembre. Une victoire acquise grâce à Casemiro, buteur à la 83e minute. Avec 6 points, le Brésil, qui jouait cette rencontre sans Neymar blessé, valide son ticket pour les huitièmes de finale et est quasi certain de finir à la première place de son groupe avant d'affronter le Cameroun. Justement, pour les Lions indomptables qui ont fait match nul contre la Serbie, 3-3, la victoire face aux Brésiliens sera impérative pour espérer la qualification. Autant dire que ça ne sera pas une tâche facile.